Le petit catéchisme, les attributs et les pouvoirs de l'Église. Quels sont les attributs de l'Église? Les attributs de l'Église sont l'autorité, l'infaillibilité et l'indéfectibilité. Qu'entendez-vous par l'autorité de l'Église? Par l'autorité de l'Église, j'entends la mission, le droit et le pouvoir qu'ont reçu de Jésus-Christ, le pape et les évêques, successeurs des apôtres, de prêcher l'évangile et de gouverner les fidèles. Qu'entendez-vous par l'infaillibilité de l'Église? Par l'infaillibilité de l'Église, j'entends le privilège que Jésus-Christ a donné à son Église de ne pas se tromper quand elle enseigne une vérité de foi ou de morale. Quand l'enseignement de l'Église est-il infaillible? L'enseignement de l'Église est infaillible quand le pape, avec les évêques, ou le pape seul, s'adressant à tous les fidèles, définit et proclame une doctrine de foi et de morale. Qu'entendez-vous par l'indéfectibilité de l'Église? Par l'indéfectibilité de l'Église, j'entends que l'Église, telle que fondée par Jésus-Christ, durera jusqu'à la fin du monde. En quelle personne ces trois attributs de l'Église sont-ils réunis? Ces trois attributs de l'Église se trouvent réunis dans leur plénitude en la personne du pape, dont l'autorité et l'infaillibilité dureront jusqu'à la fin des temps. Quelles sont les marques ou notes par lesquelles on peut reconnaître l'Église? L'Église a quatre marques ou notes par lesquelles elle peut être reconnue. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Comment l'Église est-elle une? L'Église est une parce que tous ses membres ont la même foi, sont tous dans une même communion et soumis au même chef. Pourquoi dites-vous que l'Église est sainte? Je dis que l'Église est sainte parce que Jésus-Christ, son fondateur, est saint et qu'elle peut nous sanctifier par sa doctrine et ses sacrements. Comment l'Église est-elle universelle ou catholique? L'Église est universelle ou catholique parce qu'elle ne doit cesser d'exister qu'à la fin du monde et qu'elle enseigne toutes les nations et maintient toutes les vérités nécessaires au salut. Comment l'Église est-elle apostolique? L'Église est apostolique parce qu'elle a été fondée par Jésus-Christ sur les apôtres, parce qu'elle est gouvernée par les successeurs légitimes des apôtres et parce que l'Église a enseigné et enseignera toujours la doctrine des apôtres. Ces notes et attributs se trouvent-ils ailleurs que dans l'Église catholique ou même? Ces notes et attributs ne se trouvent pas ailleurs que dans la Sainte Église catholique ou même.